Salut les sportifs! Eh oui! Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une recette. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Nana? Une mousse au chocolat. Elle dit une mousse au chocolat. C'est quoi? Ça coule. Ah d'accord. T'as le moustache qui fond. Une mousse au chocolat fitness, voilà. C'est préparé avec amour puisqu'on vient de les faire. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et à mettre peut-être un petit pouce à la vidéo si tu as aimé. Allez, bonne cuisine la team. Salut les sportifs. Nous voilà dans la cuisine d'Anna. On est parti pour notre première recette. Qu'est-ce qu'on va faire là? Mousse au chocolat. Ah, une mousse au chocolat. Moi j'adore le chocolat. Blender chocolat, c'est tout. Ok, et chocolat c'est quoi, on prend? Chocolat noir. Chocolat noir, 80%? Non, c'est le chocolat pâtissier là. Donc chocolat pâtissier et du blender. Ok. Elle n'a que 4. Il y en a pas d'autres. Attends, mais je suis t'inquiète. Hey, regarde, parce que... arrête ça. Le jaune, on le met de côté. Je vais mettre le jaune, on est mort. Ça monte pas. Le jaune, on le met de côté, on s'en servira. Jamais. Pour une autre recette. Ok. Après, on peut les réutiliser, on peut faire autre chose avec le. Tu l'avais à la tête. Hein. Voilà, c'est vrai en plus. Tiens. Et c'est. Ça me fait peur, les gens. Allez, ok, ok. Attends. Bon, les filles, s'il vous plaît, ne me dérangez pas là. Ça y est, Fiona, les cookies, c'est dégueulasse. Hein. C'est travail, d'accord. Écarte-toi. Bah, doucement. Laisse faire le professionnel. J'ai goûté les cookies. Est-ce que vous voyez la concentration du mec quand même? Tu sors la lame ou pas? Non, pas encore. C'est bon. Non, mais je veux qu'il soit pas. Je veux que notre mousse soit vraiment fit, hein, qu'il n'y ait pas de gras, quoi. Tu vois? Il y a une ligne à tenir, tu vois. Je peux les suivre sur ton tablier? Non? J'ai pas le droit. Qu'est-ce que c'est ça? Du chocolat. Chocolat pâtissier. Je peux goûter? Non. Faut que ça forme pile. Donc. Qu'est-ce que je le casse? Il faut un petit carré, 200 ouais. grammes de chocolat. 4 blancs d'œufs. Je veux le faire aussi. C'est à moi. J'ai dit un carré carré, pas de ça, c'est Gis, c'est pas moi. Non, non, les autres, tu les fais comme ça. Tu les avais pas tous coupés. Un carré. Je les coupe, je coupe le gros et après. C'est normal, j'ai essayé de suivre. Ah, déjà. Mais j'ai dit plus en petit, plus c'est facile à prendre. Ah, ouais. T'as retenu? Plus c'est petit, plus c'est facile à fondre. On va le faire fondre au bain-marie parce que comme ça, il durcit pas. Ok. Il faut pas que le chocolat durcisse. Bain-marie, attention, on va prendre un nouveau mot. On prend une casserole, on met de l'eau. Ok. Un récipient qui va pouvoir avoir une grosse température. Pour pas que ça éclate ou quoi? Pour pas que ça éclate. Très important. Tu mets ton chocolat et la chaleur va chauffer le bol et le chocolat va se prendre petit à petit. T'as jamais fait au bâtard, non? Allez, 10 grammes de moins. Et moi? On termine. Et là, normalement, tu regardes. Si je le retourne pour que ça ne tombe pas. On en a pas d'autre. Je l'ai bien fait. Si tu veux, tu juste comme ça, voilà. Tu vois, ça ne tombe pas. Vraiment à pâté. On va attendre que l'eau boue et chauffe le bol et le chocolat. Petit à petit, ça va aller vite. Hein. Parfait. Et ensuite, c'est la mission. Je vais faire un délicat. Il va falloir incorporer et le blanc. Ouais, je passe ça. Et sinon tu les casses. De là, comment on procède, Anna? Comment quoi? Comment on procède? Comment on procède pour cette recette? Là, on a notre blanc d'œuf. Oui. Qu'on a monté à neige. C'est ça. Là, on a notre chocolat qu'on a fondu au bain-marie. C'est ça. Maintenant, on a les deux. Et comment on... On fusionne? Comment on fusionne? Comment on fusionne? On incorpore. On incorpore, d'accord. Chaque terme est bien...
Ok, donc en fait c'est le blanc à neige qui va dans le chocolat. Et petit à petit, hein, t'as vu, je mets pas tout. Hein. Ouais, d'accord. Vas-y, je le garde. Je suis le gardien de, du blanc. Et on va tourner autour. Ouais, mais là il faut avoir le... Parce qu'il faut pas les casser. Là il faut avoir le coup de nez, tu vois. Ils sont fragiles. Alors, ça donne 3 gourmands, nous, ou 4 enfants. C'est pas mal ça. Donc, ça, là, ça va nous donner, avec 4 œufs et 200 grammes de chocolat, 4 rames quinques. Ouais, avec toi... On va le voir à la fin de toute façon. 3. Oui, vas-y, c'est moi qui passe pour le bon service. Hein. Madame Lemenet, qui me dit ça. Hein, qui c'est qui mange le pot de Nutella au club? C'est pas Nutella, mais bon, c'est le cousin quoi. C'est le cousin de Nutella quoi. On ne cite pas de marque, s'il te plaît. Mais moi, c'est moi qui l'ai dit déjà. Allez, let's go. Si je pète tout, j'en suis navrée. Mets-toi là. Désolée d'avance. On te voit là. Ok, mon dieu. Et voilà, ça devait être une mousse au chocolat jusqu'au moment où on a passé le relais à Fio Fio. Mais regarde-moi ça. Regarde le coup de nez. En fait, oui. Il faut que ta spatule, elle aille chercher l'extérieur. T'as vu, je nettoie. Tu vas nettoyer. Je peux aller chercher l'extérieur. Ouais. Si tu restes au milieu, tu les casses. D'accord. Ah, mais tu le fais. Vas-y, tu fais à moitié. Tu me verses la moitié, juste. D'accord. Voilà ça. Allez, c'est bon, et le reste, c'est la dernière. Donc, je le ferai. Je vais le retester. Bonjour. Ouais. Doucement, calme-toi. Continue. Bah, ouais. Vous avez remarqué, elle a arrêté Fiona et à moi elle me dit continue. Bon, t'as vu le côté plus facile quand même. C'est le dernier tour. Vas-y, ne t'emballe pas. Je m'emballe pas. Voilà. Je le finis. Non, stagiaire. Allez, un stagiaire, vas-y. Décale. Ok, vas-y. C'est nul! C'est sérieux ou pas? Je suis con! Donc, comment ça s'appelle? Une poche à douille. Une poche à douille! C'est pas comme si j'avais dit avant. J'aime pas. Moi, j'aime bien. C'est ça à faire, la douille. J'aime bien mettre dans le trou. Vas-y. Un petit message pour le petit ami de Fiona. Je ne dirai. Vous êtes sûr qu'on fait de la cuisine? Oui. Bien sûr. Attention, regardez là, c'est le moment très important. Au frais. Voilà, 4 heures. Vas-y, je le mets. Je veux.
un délice cette recette. Merci Anna. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir suivi notre vidéo jusqu'au bout. Ben, si vous voulez continuer, que vous êtes dans la cuisine, vous pouvez aller voir notre sorbet à la framboise qu'on a fait dans une ancienne vidéo. Et surtout, ben, abonne-toi pour ne rien rater. On se quitte sur ça. Salut les sportifs. Ça y est, je vais sortir des abdos. Et au final, la réveillée est fort des abdos. Séparer. Mais en fait, on va séparer le blanc de l'œuf, c'est ça? Le blanc de l'œuf. Le blanc du jambon. Ok, et monter en neige. Tu sais ce que ça veut dire, monter en neige? Bah non, je me coucherai moins. Oui, couleur, c'est ça? Tu sais pas? Non. Oh putain, t'as réfléchi. Voilà, je vais apprendre des choses. Allez, on y va. J'avais fait des chantilly maison. Non, j'avais. Oh pétard. Non, pas chantilly. Ça t'a pas goûté la merde. Vous aimez nos tabliers? Vous préférez lequel? Le mien ou celui de Fiona? Désolée, je te dis. Ok, poubelle. Ok. Ok, patron. Elle est là. Je suis pas la raison ici. Ah. Là, là, elle peut plus. Tu sais, c'est comme un peu si t'es pas sur la musique. Anna, elle pète un plomb. Anna, elle peut pas partir sans la musique. Donc, en fait, Anna, elle a repris quand tu te dis là. C'est pas mon film. Mais regarde, je faisais la même chose. Je vais passer pour la manière que ton service, ça rigolait. Oh, bah, tu ne passes que pour ce que tu es. Oui. Shifumi, Shifumi, ah, la pierre, ah, mais c'est sur la pierre, mais on dit tout ça. La parle de ton objectif oui, c'est mes lèvres qui m'en sont. Un délice.